Bonjour à tous. Souvent, lorsqu'on prend un livre pour savoir ce qu'il y a dedans, on dit qu'il faut lire l'introduction et la conclusion. Et on a ainsi une idée de la teneur de ce qui se trouve à l'intérieur, au milieu. Les lettres de Paul sont intéressantes aussi parce qu'elles débutent toujours par une introduction, une salutation introductive et puis une salutation en conclusion. Et je voudrais aujourd'hui lire avec vous celle qui se trouve dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13 et aux versets 11 et 12. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Intéressant qu'à la fin de cette longue lettre, dans laquelle il va parler de tellement de sujets magnifiques, eh bien, Paul donne des instructions très courtes. En une phrase, il indique aux Corinthiens, j'allais dire, un style de vie, une vision de la vie, la vision de la vie que Paul a. Soyez dans la joie. Alors ça paraît bizarre comme commandement, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on en reparlera encore, mais ce n'est pas toujours possible d'être joyeux, et pourtant Paul dit « soyez dans la joie », c'est-à-dire ayez en ligne de mire, en perspective, la nécessité de vivre dans la joie. Soyez dans la joie, quelque chose de profond. Il ne s'agit pas d'être toujours en train de rire, il s'agit d'avoir à l'intérieur de soi quelque chose qui nous tient, et cette chose qui nous tient, c'est la joie. Et c'est intéressant de voir qu'il le place en premier. Oui, l'Évangile doit inscrire dans nos vies quelque chose de fondamental, qui est une joie en Dieu, parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il conduit notre vie. Tendez à la perfection. Voilà, le but est là. On n'y est pas encore, mais constamment, ayons devant nous le but vers lequel Dieu veut nous accompagner. Consolez-vous. Dans la relation avec les autres, eh bien, que nous puissions être attentifs aux autres et pouvoir leur apporter une parole de consolation. Ayez une même pensée, l'unité avec ceux qui m'entourent. Vivez en paix. Voilà, d'être des personnes conciliatrices pour apaiser les conflits et les difficultés. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Voilà, d'une marque d'affection qui nous permet en quelque sorte de conclure cette bénédiction, cette salutation, en disant, eh bien, voilà, accueillez-vous les uns les autres. Quelle belle perspective de vie, ne trouvez-vous pas ?